Jonathan, dois-je faire confiance à ce que j'entends dans ma tête ou est-ce mon ego qui s'amuse? Idem pour ce que je vois sur mon écran mental, image, scénario. Ça dépend de ce que tu veux vraiment. Ça dépend pourquoi. Si la voix dans ta tête te dit de sauter par la fenêtre, peut-être que je te déconseille de l'écouter. Mais cette question me renvoie plus chez toi à qu'est-ce que tu veux vraiment? À quel jeu tu as envie de jouer? Et pour ça, je vais te dire quelque chose de très simple. La matière que tu vois, ton corps, ton identité, on est dans un rêve. C'est à toi de voir si tu as envie de retourner au niveau du rêveur, de te rendre compte que tu es le rêveur et que le rêve n'était qu'un rêve et que le personnage du rêve n'était pas toi. Ou est-ce que tu veux rester dans le rêve, continuer à alimenter le rêve, mais par contre changer les règles du rêve, comme on change comme dans un rêve lucide où on recréerait ce que l'on veut dans le rêve lucide. Quel est ton vrai désir? Où se place ton désir? Est-ce qu'il se place dans alimenter? Je sais que ce n'était pas vraiment ta question, mais instinctivement, je me suis dirigé vers ça. La confiance, je te parle de rêveur parce que la confiance n'est pas à mettre là. Ça ne veut pas dire que l'ego n'est pas digne de confiance, ça ne veut pas dire que le mental n'est pas digne de confiance. Parce que tout ça ne sont que des phénomènes qui ne définissent pas qui tu es et qui ne t'appartiennent pas. Tu les observes, tu observes des phénomènes qui passent, des voix. Tu entends bien que la voix arrive et repart. Y a quelque chose qui s'affiche sur ton écran mental et qui repart. Tout ça, ce sont des outils, des informations qui se mettent en forme à travers voix, image, scénario. Ce que je pointe du doigt, mon conseil entre guillemets, c'est est-ce que les scénarios, les images, les voix, dans quel état elles te mettent vibratoirement parlant, dans ton corps? Comment est-ce que tu te sens en suivant le scénario, les images et ce que tu entends? La confiance, elle est en toi. Elle est à placer en toi. Et en toi, je n'entends ni Jonathan, ni ses émotions, ni ses pensées, ni son corps, ni rien de ce que tu connais. Tu peux faire, malgré tout ce que je viens de dire, tu peux faire confiance à ses voix pour créer ta vie, peut-être. Mais tout est question, tout est une question de désir. Est-ce que tu as peur de créer ta vie? D'une manière. Ah ok. La question c'est, est-ce que tu as peur de créer ta vie avec cette manière-là? Avec cette voix, avec ces images, avec ces scénarios? Avec ces nouveaux aspects de toi qui sont en train d'émerger, que tu découvres? Que tu observes à partir de l'être insondable que tu es. Ouais, je dis, tant que ça ne te fait pas planter quelqu'un avec un couteau ou tu jeter par la fenêtre, teste. T'es libre, t'es dans un rêve. La question est mal placée. Dois-je faire confiance à ce que j'entends? Pour ça, teste. Expérimente. On s'en fout que ce soit l'ego, pas l'ego, ou Jésus qui te parle en fait. L'essentiel,
tout ça ne sont que des... J'en reviens à ça parce que c'est l'info prioritaire pour toi. Ce ne sont que des phénomènes. Que tu es en face la plus belle des énergies ou le pire démon, c'est toi qui vois ce que tu veux en faire et ça, c'est ton désir, Jonathan, qui le décide. Suis la trace de ton désir. Regarde quelle marque, quel parfum ton désir émane. Joue avec le matériau que tu es et tu accèdes à la puissance. Je sens la puissance derrière. Je sens l'infinité. C'est une stratégie de plus. Cette validation que tu me demandes, c'est une stratégie de plus pour te maintenir dans le doute. Dois-je faire confiance? C'est une question que seul le doute peut poser. La confiance ne se demande pas si elle est confiance. Si elle a confiance, elle émane, elle vibre. La confiance. Et c'est ton choix d'y aller ou pas. L'ego, dans le sens, ce système qui nous limite dans un corps, qui limite cette conscience dans un corps, qui limite cette conscience dans une identité, qui limite cette conscience dans une émotion précise, dans un concept, va faire tout son possible pour te détourner de qui tu es vraiment. Pour te détourner de cette source, pour te détourner de cette puissance, pour te détourner de cet effluve du parfum de cette source, nommé fun, nommé joie, nommé découverte. Voilà, ton choix, il est là.